Salut les gars, c'est Coco Kamjab, j'espère que vous allez bien. Moi, écoutez, aujourd'hui ça va extrêmement bien. Allez, on va laisser les tarés de la route de côté et on va s'intéresser un petit peu plus aux tarés des concours. Oui, parce que c'est bien connu, les cavaliers de concours sont complètement tarés, hein. Et si tu sors en concours, tu sais de quoi je parle. Du coup, cette vidéo est, comme convenu, la suite de la vidéo quel type de cavalier es-tu. Et puis bon, ce coup-ci, on va se calmer sur les moins, hein, parce que la dernière fois, tout le monde était un dieu, alors non, ça va pas le faire. Ou alors c'est vous qui assumez pas votre score. Et ça, c'est pas bien. Assumez, bordel. Regarde, moi, la dernière fois, j'ai fait 21. Bon, faut aussi dire que j'ai écrit mes vidéos par rapport à ma propre expérience, donc du coup c'est normal que je sorte avec un gros score. Bref, comme la dernière fois, je vais te réexpliquer un petit peu comment la vidéo va se dérouler. Donc pour cette vidéo, tu auras besoin d'une feuille, d'un stylo ou alors tout simplement de tes doigts, hein, parce que tu sais compter. Donc du coup, prends le moyen qui te correspond le plus pour compter tes points. Je vais tout simplement te poser une série de questions et si tu as déjà fait ce que je te dis, tu prends le nombre de points attribués à la question. C'est pas très compliqué, tu vas vite comprendre. Bref, est-ce que t'es prêt à savoir quel type de cavalier de concours tu es? Alors c'est parti. Si pour aller en concours la plupart du temps tu ne te lèves pas avant 5h du matin, et bien c'est plus 1. Et encore pire, si tu vas que pour ton tour tranquille loubilou l'après-midi, et bien c'est plus 2. Et bah oui, plus 2, parce que pense à nous les cavaliers de club qui se leveront à 3h du mat parce qu'il y a des petits cons qui font la club 4. Je fais club 4, club 3. Si t'as déjà oublié tes affaires, et bien c'est plus 2. Est-ce que j'ai vraiment besoin de te préciser pourquoi? Je ne sais pas, je ne pense pas. Ah si, à la limite, je peux te rajouter 3 points si t'as déjà oublié ta selle. Donc si t'as déjà oublié ta selle pour aller en concours, bah c'est 3 points supplémentaires. Si tu as déjà demandé des chevaux à la porte, c'est-à-dire demandé à ne pas passer à ton numéro de dossard tout simplement, parce que tu étais à la bourre pour X ou Y raison, j'en ai rien à carrer, c'est plus 2. Mais alors là, c'est vraiment la pire chose que t'aies pu faire. Si tu as déjà oublié ton cheval aux écuries, c'est plus 5, mon pote. Déconne pas, je connais des gens à qui c'est arrivé. Si, à ta reconnaissance, t'as déjà fait ça. Non mais attends, t'as vu le sous-bassement du 6, il me le sautera jamais, c'est mort. C'est plus 1, crois en toi, bordel. Si tu as déjà fait un parcours au trot, c'est plus 1. Un parcours, ça se fait au galop, je suis désolé. Je le sais que je suis un enfoiré, tu peux me le dire en commentaire, parce que normalement, si tu fais ton parcours au trot, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a une raison. Et si t'as déjà fini dans le quatrième quart, c'est plus 1. Ouais, j'ai pas envie d'avoir un score trop pourri non plus, hein. Donc plus 1, quatrième quart, et hop, c'est parti. Alors là, on va passer à quelque chose, mais qui m'énerve de ouf en CSO. Ça me rend, mais alors juste dingue. Si tu as déjà dit que tu avais gagné une épreuve, alors que tu as juste fait 100 fautes sur une prépa, eh bien c'est plus 3, mon pote. Parce qu'en prépa, tous les 100 fautes sont premiers. C'est comme si je te dis que j'ai gagné une épreuve alors que j'étais tout seul dedans, c'est pareil. D'ailleurs, si t'as déjà fait ça sans préciser que t'étais tout seul dans l'épreuve, eh bien c'est plus 3, mon ami. Allez, c'est parti, on y va. Je suis en train de péter un câble. Si tu es déjà tombé en concours, eh bien c'est plus 1. Parce que ça, c'est bien la seule chose qui ne m'est jamais arrivée. Eh, vas-y, c'est bon, t'as fini. Oui, bah je sais, bah je prends plus 1, c'est bon. D'ailleurs, je suis à combien, moi? Ouais, bon, bah c'est bien ce qui me semblait. Bon, c'est pas grave. De toute manière, je partagerai mon résultat sur Instagram, hein, comme ça tu seras au courant. Donc du coup, eh bien va me suivre sur Instagram, comme ça tu le sauras quel score j'ai fait sur cette petite vidéo. Et ce coup-ci, je te le partagerai, je te le promets. Si tu t'es déjà arrêté derrière un obstacle paddock, eh bien écoute mon ami, c'est plus 1, parce que t'as rien à foutre là. Bon allez, pour une fois, je vais quand même être gentil, hein. Si tu as déjà gagné une épreuve, eh bien c'est moins 2. Par contre, si t'as jamais gagné une épreuve, eh bien c'est plus 1. S'il y a bien un truc que tu ne te dois pas d'oublier pendant un concours, c'est bien ton parcours. Donc, si ça t'est déjà arrivé, eh bien c'est un petit plus 1 pour toi. Voilà, un petit plus 1. Voilà, c'est comme ça, c'est gratuit. Et puis si tu veux tout savoir, moi, pour la petite anecdote, ça m'est déjà arrivé 2 fois, dont une fois, 2 fois d'affilée sur le même parcours. Et c'était tout simplement le premier concours où Lucie, ma copine, venait me voir. Mais bon, en même temps, pour ma défense, la courbe était bien plus logique en passant du 6 au 9 que du 6 au 7. Alors au bout d'un moment, moi, j'y peux rien aussi. Hein. Et si l'obstacle que tu as sauté était un Auxerre et qui en plus tu l'as sauté à l'envers? Non, mais il y a un moment, faut arrêter les conneries, c'est un point de plus. Tu le vois bien que l'Auxerre en plus il est à l'envers. Enfin, tu le vois quand t'arrives dessus. Enfin bref, c'est du grand n'importe quoi. Ça pour le coup, non, ça m'est jamais arrivé. Si t'as déjà fait un parcours sans être huilé, eh ben c'est moins 1, parce que toi t'es un bon. Si tu as déjà fait ça. Ok, donc le 1 est là, le 2 est là, il y a 5 foulées entre les deux, le 3 pareil, non, 4 foulées entre les deux, le 5 courbe à gauche, le 6 est là, ok, entre les deux, il doit y avoir quoi? Ouais, 3-4 foulées, donc ouais, ça va être pas mal, ouais, ouais, bon, bah voilà, 7, 8, 9, 10, 11, 12, hein. De toute façon, je sais compter, c'est pas très gênant. C'est plus 2, de où t'apprends ton parcours comme ça, voir tes distances et tout comme ça, sans le marcher. Moi, je suis hyper jaloux, j'y arrive pas, donc c'est plus 2. Ah oui, bah j'ai jamais dit que ce test était un test impartial, après, t'en fais ce que tu veux. Hein. Pour les complétistes, parce que oui, je vais un petit peu penser à vous quand même, si tu as déjà oublié de lancer ton chrono sur le cross, eh bien c'est plus 1. Parce que oui, comment tu vas faire pour rentrer dans le temps si t'as oublié d'allumer le chrono? C'est compliqué. Si t'es déjà arrivé sur un parcours avec un cheval qui avait encore de la paille dans la queue, bah c'est plus 2. On fait pas ça.
Et écoute-moi bien, parce que sur celle-là, comme la dernière fois, je serai intransigeant. Si tu es abonné à ma chaîne, si tu actives la cloche, et en plus, si tu me lâches un symbole bleu, eh bien c'est moins un point. Bon, si bien sûr tout ça est déjà fait, eh bien tu peux retirer moins. Par contre, si tu ne le fais pas, eh bien on part sur un petit plus 2. Et encore une fois, petite mise en situation, si tu as déjà fait ça. Non mais les gars, à quoi ça sert de nettoyer vos guettes? Sérieusement, votre cheval il va mettre un pied dans le paddock, surtout de ce temps-là. Ils vont être dégueulasses, ça sert à rien, nettoyer que l'intérieur, et puis hop, c'est parti. C'est plus 1, même si je suis complètement d'accord avec toi que c'est complètement con de nettoyer l'extérieur des coques, surtout de ce temps-là. C'est plus 1 quand même, je veux pas le savoir. Si tu ne repasses que le col et le haut de ta chemise, c'est-à-dire ce qui se voit sous la veste, eh bien c'est plus 2. Oui, moi aussi je prends plus 2 parce que bah bon, c'est bon, j'ai la flemme à chaque fois, ça sert à rien. Si tu as déjà fait tomber soit le premier, soit le dernier, eh bien c'est plus 2 parce que faute sur le premier, faute sur le dernier, faute du cavalier. Si tu as déjà acheté tes photos au photographe, eh bien c'est moins 2. Parce que oui les gars, faut soutenir cette pauvre photographe qui passe toute la journée sous la pluie, sous le vent. Elle se les caille pour que tu aies un beau souvenir de ton concours. Donc c'est important de soutenir ces gens-là, hein Lucie? Allez, petit bonus encore une fois, si tu as déjà fait la motte, eh bien c'est moins 1. Et si tu l'as jamais fait, eh bien c'est plus 1. Tu appelles ça, ce qui vient d'apparaître à ton écran, un double, c'est plus 2 parce que ce n'est pas un double, c'est une ligne. Un double, c'est deux obstacles espacés de 1 à 2 foulées grand maximum. Et un triple, c'est exactement la même chose, sauf qu'on rajoute un obstacle. Donc j'espère que t'as bien compris le message. En attendant, si tu l'as toujours pas compris, c'est plus 2. Si tu t'es déjà réjoui d'une chute ou d'une barre d'un concurrent parce que ça t'a arrangé bien pour le classement, eh bien c'est plus 1. Parce que c'est pas fair play en fait, tout simplement. Bref, passons tout de suite au résultat. Mais avant toute chose, si tu veux connaître mon score, eh bien rejoins-moi tout de suite sur Instagram, je mettrai une petite story avec mon score, tout simplement. Donc si tu as une note entre 0 et 10, voire même moins que 0, c'est que tu es un futur champion olympique, mon ami. Continue de croire en tes rêves. Tout le monde devrait prendre exemple sur toi. Si tu es entre 11 et 20, on peut considérer que t'es une graine de champion. Allez, continue de croire en tes rêves, bouge-toi toujours plus, ça va venir. Si tu es entre 21 et 30, commence sérieusement à te bouger, sinon t'y arriveras jamais, mon ami. Et alors là, si t'as plus de 31, non mais sincèrement, inscris-toi à la danse, t'auras peut-être plus de chance. Bref, voici les scores, alors n'hésite pas à me dire le tien en commentaire. Et comme d'habitude, mon ami, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me lâcher le petit sabot bleu, l'abonnement et la cloche. Hein. Normalement, tu l'as déjà fait puisque ça t'a fait perdre des points, mais bon, je te le répète quand même. Comme d'hab, si tu veux me soutenir financièrement, totalement gratuitement pour toi, je te laisse le lien de mon YouTube juste en dessous. Et donc moi, sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire à plus les caves.